Bonjour, ici Dauphinette de l'équipe créative Slow Life Planner. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo de présentation de la box Slow Life Planner du mois de octobre. Alors, octobre a déjà un peu commencé. Je vous montre la vidéo un peu tardivement. J'ai été souffrante, vous me pardonnerez. Et en plus, j'ai attrapé un rhume, ce qui ne va pas arranger les choses concernant ma voix. Alors voilà, très grosse surprise encore ce mois-ci, puisque la box contient plein de jolies surprises, mais alors encore plus que d'habitude. Je ne sais pas jusqu'où Alexandra peut aller dans sa générosité, mais franchement, ce kit est encore une fois très fourni. Et ça va même au-delà de, voilà, du planeur mensuel en lui-même. Voilà, découvrons tout cela très vite. Alors, ce petit geste, commençons par là. Ce petit geste d'Alexandra, voilà, ce mois-ci, elle à gâter les amatrices de thé Ananas Pamplemousse. Je vais de ce pas d'ailleurs me faire cette petite infusion après la vidéo. Donc voilà, merci Alexandra pour ce geste supplémentaire de l'esprit vraiment généreux et puis cocooning, bien-être, voilà, plein de bienveillance. Alors, une autre belle surprise dans le kit, donc un trombone géant, vous voyez, par rapport à mes doigts et à ma main, il est vraiment grand. Il est cuivré, donc voilà, j'adore ces tons. Et puis, vous découvrez en même temps la trame, le combo mensuel, voyez, du kit. J'adore, vraiment j'adore. J'adore ce combo tonal. Autre grande surprise, regardez-moi ça. Une superbe petite boîte pleine. Alors on va l'ouvrir ensemble. Pleine de petits accessoires. Alors avec une main, ça n'est pas évident. Excusez-moi. Je vais sûrement y arriver. Non, je n'y arrive pas. Si. Alors, vous voyez. Donc, cette boîte contient des petites punaises. Alors, des punaises à l'ancienne, mais pas des métallisées, hein. Des cuivrées, s'il vous plaît. Des punaises plus modernes pour tout ce qui est panneaux de liège, par exemple. Ici, des petites pinces. Voilà, un dossier, des pinces crocodiles. Et puis, des trombones, toujours dans les mêmes tons, cuivrés. J'adore cet assortiment. Vous voyez que de surprise. Et nous terminons par une autre très grosse surprise. Voilà, un carnet de notes pointillé. Donc, à vous, le bullet journal, le bujo, comme vous voulez. Vous pouvez vous en servir de cette façon, mais pas que. Vraiment, voilà, il y a multiples façons d'utiliser les petits carnets à pois. Merci beaucoup Alexandra encore une fois pour toutes ces jolies surprises. Alors cette fois-ci on passe à la box en elle-même. Donc je vous rappelle qu'en boutique vous pouvez acquérir les pages du planner uniquement et les goodies séparément, le kit d'embellissement séparément, donc tous les stickers. Moi en tant que membre de l'ADT, bien sûr je reçois la totalité, mais vous pouvez acquérir tout ceci séparément. Je vous invite à vous rendre sur le blog Slow Life Planner. Alors, on commence par ce petit set de stickers ronds pour y noter les dates. Donc, vous voyez, on retrouve le combo. Nous avons ici un autre kit de stickers. Alors, aux formes alors différentes, hein, des carrés. Ici, des motifs pleins. J'adore. Vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est moi en ce moment, cette petite dame. Voilà, des petites étiquettes de formes variées. Une autre planche de stickers, donc des motifs hexagonaux.
Voilà, des petits mots, petites flèches pré-remplies pour ne rien oublier. Alors, les stickers, donc le calendrier du mois, le calendrier suivant. Ici, les week-ends. Ici, des listes à puces. Et puis deux. Oh, j'adore le washi tape du bas. Le dégradé, là, le combo que j'adore. Voilà, des petits ici ronds. Autre façon de dater nos pages. Donc, vous avez vu en premier le format petit rond. Ici, vous avez les chiffres en grand. Au format de petit fanion. Une autre planche de stickers, la dernière, avec donc des motifs ici, des boxes pleines. J'adore les motifs. Ici, à ligne et puis un dégradé de couleurs. Et puis, c'est des grandes étiquettes longues et puis plein de jolis motifs de déco. Alors, le dashboard, donc vous savez, la couverture, regardez-moi ce décor. C'est pas magnifique? On a envie de s'y installer, non? Ah oui. Donc voilà le dashboard pré-troué pour moi, puisque je l'utilise dans un agenda à 6 trous. Donc vous savez, vous avez le choix sur Internet et également sur le site Slow Life Planner de demander à Alexandra votre façon préférée de recevoir votre kit, soit non troué, non perforé, soit perforé à 4 anneaux ou 6 anneaux comme moi. N'hésitez pas à faire votre choix. Alors, le planeur en lui-même, donc on retrouve ici une petite déco. Ici, il y a toujours un onglet donc, qui est vierge. Alors, à vous de d'y noter le mois ou le tamponner comme bon vous semble. Plein de déco. Ici, un espace hexagonal. Alors, évidemment, il est fait afin de contenir ces box ici, ces stickers-là, mais rien ne vous y oblige, évidemment. Ici, la double page, donc vue mensuelle, donc pré-remplie des jours, des motifs. Voilà, des cases assez grandes de format carré qu'il n'y a plus qu'à décorer. Au dos, un espace quadrillé. Ici, encore une belle déco. Ici, autant de pages, double page qu'il y a de semaines, nous sommes donc en vue hebdomadaire. Donc, il suffit d'inscrire, voilà, le début de la semaine, la fin de la semaine. Ici, un espace blanc où les jours sont déjà indiqués. Ici, un espace ligné. Voilà, puis des bien jolis motifs encore une fois. Et la dernière partie, donc les pages quotidiennes, donc double page à nouveau, un calendrier horaire. Ici, des listes préétablies, donc à puce, donc des priorités, des choses à faire, des coups de fil à passer ou à recevoir, des mails. Ici, le suivi de nos trois repas quotidiens. Ici, je m'en sers comme moodboard, donc je viens y colorier. L'étoile correspondant à mon humeur du jour. Ici, un espace sur lequel vous pouvez coller des photos, mettre des citations, faire un petit gribouillis, un joli dessin. Moi, je m'en sers comme suivi météo. En ce moment, toutes mes pages se ressemblent puisque il pleut quasiment chaque jour. Et ici, un grand, grand espace de notes. Donc là, plutôt des petits carrés quadrillés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site donc Slow Life Planner. Vous voyez, il est très 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 fourni et plein de jolies surprises. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et prenez soin de vous. Au revoir.